Bon, je vous reprends, il est tard, il est midi. Ouais, enfin, je vous reprends, non, je vous... Ouais, enfin, vous voyez comme vous voulez. Il est midi, oui, déjà. C'est... Je vais pas dire que c'est passé vite, hein. D'un côté oui, d'un côté non. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement fatiguée, je suis rentrée du travail, je suis revenue me coucher. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, me voilà au bureau, prête à travailler. Il y a juste Jojo qui va rentrer... bientôt du collège et je devrais juste y faire un peu à manger. Mais voilà, j'ai un coup de fil à passer, j'ai pas mal de petites choses à faire. Finir de vérifier mon vlog au montage d'hier, j'ai commencé ce matin parce que j'étais un peu en avance. Et donc qui était le montage du tuto numéro 8. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Il faut à tout prix que j'aille à la poste puisque j'ai oublié d'y aller hier, pas bien. J'ai toujours la commande d'Alicia à faire, mais j'attendais de voir. Elle m'a dit que c'est pas urgent, je précise. Elle n'a pas du type d'écriture qu'elle a, puisqu'elle avait des étiquettes pseudo. Et elle en avait trouvé une, j'attends une capture. Je vais bien voir sinon si j'en trouve une. J'ai un topper cake, je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux. À faire, j'ai les montages 9-10 que j'ai prévu aujourd'hui. Elle est à la poste. J'ai une story à poster. Finir l'album photo My First Year. Ça. J'ai mis deux fois. Je sais pas pourquoi. Pour pas que j'oublie, peut-être. Et poster le chèque de Delphine. Ouais, je sais, j'ai toujours pas fait. Delphine qui est super pressée de l'encaisser. Faut que je le dé... En fait, c'est tout un système, faut que je l'envoie, c'est toute une merde, donc j'aime pas trop les paiements par chèque. Tout simplement parce que sur le compte de la boutique, ils me prennent un pourcentage. Voilà. Du coup, il faut que j'envoie, il faut que je fasse les papiers pour l'envoyer. Donc ça, et puis je crois que c'est tout. C'est déjà plutôt pas mal parce qu'il est déjà midi. Ouais, d'accord. Bon. Et le montage de mon vlog, bien évidemment. Bon. C'est parti, je finis de vérifier ma vidéo pour pouvoir voir si j'enlève pas. Et je fais le montage de mon vlog. A tout de suite. Ouais, je suis encore fatiguée. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, cause I can stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane.
my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Hey, coucou tout le monde, bon, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est jour de grève. J'allais vous dire jour férié. Il est 9h12, je viens d'entrer du travail. Je ne vous ai pas repris hier après, tout simplement parce que il s'est passé pas mal de petites choses qui font que je n'ai pas pu filmer, que je n'ai pas fait grand chose. Je me suis couchée de bonne heure, très bonne heure même, parce que j'étais vraiment fatiguée. Je suis encore extrêmement fatiguée, c'est un truc de dingue. Je ne pense pas vous vlogger encore beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai réuni les deux vlogs dans une journée. 2h du matin, je ne dormais toujours pas. Ouais, alors quand le réveil sonne à 5h, c'est dur. J'ai traîné beaucoup, beaucoup au lit ce matin. C'était un truc de dingue, j'ai réussi à me lever. Du coup, pour partir en ferme aujourd'hui, je suis allée me chercher une baguette. Enfin, ce qu'on appelle une baguette. Ouais. Je vais petit déjeuner. Mais comment vous dire, la boulangerie que j'ai l'habitude est fermée depuis la semaine dernière. Donc j'espère qu'elle n'a pas vraiment fermée, qu'elle est juste en vacances. Et du coup, je suis allée chez Louise chercher une baguette. Alors déjà, 1€ la baguette. Hein. Il parle de la passer à 1,50€. Ça pique. Surtout quand on voit. C'est pas une baguette, ça. Excusez-moi, mais c'est pas une baguette. Une baguette, ça fait le double, c'est plus fin. Heureusement que j'ai pas acheté une baguette pour deux. Ouais. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? J'en parlais avec ma collègue, c'est un truc déprimant. Franchement, peut-être pour ça qu'en ce moment j'ai un peu de mal. Quand on voit les actualités, c'est. C'est épuisant, mais comment vous dire, comment on disait avec ma collègue, on est au beurre de la dépression, enfin on soit physique, on est non c'est ça qu'on disait, qu'on nous étions fatigués physiquement et mentalement, parce que quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui nous annonce sur la tronche, enfin voilà, c'est comme l'électricité qui va doubler, être multiplié par 4. Enfin, excusez-moi, mais dans ce cas-là, pourquoi je vais travailler? Parce qu'en fait, ma facture, autant que je leur demande de la verser à EDF, quoi, parce que ça va être le prix de mon salaire. C'est un truc de dingue, je vous jure, c'est. Ça me saoule. Ça me saoule, on se barre. Bientôt, on va être à la Walking Dead avec toutes les maladies, les machins, les trucs, les chouettes. Enfin, c'est. Voilà. Ça me fatigue. Mentalement, physiquement. En plus, on est fatigué, on mange. Enfin, c'est. J'en ai marre, tout augmente, tout est. Ouais, je me plains. Je me plains aujourd'hui, mais. Mais non, on en parlait ce matin avec mes collègues, et franchement, quand on voit tout ça, c'est un truc de dingue. Mon collègue, il disait, lui, il avait vu que. Bah, les cancers. Là, qu'ils allaient faire au niveau de la loi de la retraite, mais bientôt, il n'y aura plus de retraités, puisque. Plus ça, moins on vit vieux, et c'est un truc que je me dis, mais il n'a pas tort, parce que en l'espace de un mois, j'ai deux de mes collègues qui ont perdu leur papa. Un c'était son papa, l'autre c'était sa maman. J'ai ma belle-sœur qui a perdu son ex-beau-père. J'ai une collègue qui a perdu. Bon, là c'était pas maladie, c'était un meurtre, je crois. Son fils, c'était son grand frère qui s'est tué au Portugal. Enfin voilà, en l'espace d'un mois, il y a quand même 4 décès autour de moi, et encore, que je suis au courant. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Où va le monde? On se retrouve dans des films apocalyptiques. Donc, c'est comme au travail, ils n'allument plus les escalators, enfin des économies d'électricité. Donc déjà, nous, on travaille dans le noir. Mais ça fait depuis lundi qu'il y a un magasin qui est fermé parce qu'il n'y a plus de magasin dedans. Où la lumière est allumée jour et nuit. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? Enfin voilà, c'est un truc de dingue, faut économiser, et puis derrière, c'est... voilà. Pourquoi allons-nous travailler? Voilà. Je vous jure, c'est, on en parlait, on a une lettre, une remplaçante qui est sortie comme ça, bah, pourquoi je vais venir faire chier à travailler, à faire du ménage? Je touche plus que vous en restant chez moi. Bah ouais, je sais.
Ça donne envie de travailler. Bienvenue sur ce coup de prime, je vais aller déjeuner, ça ira beaucoup mieux et après on se retrouve pour le reste de ma journée de travail. Ouais. Parce qu'il faut travailler quand même. Se rester à rien faire, c'est pas mon truc. Même si je dormirais bien. Allez, je vous reprends après. Hey, recoucou tout le monde. Voilà, il est arrivé 16h. Je viens juste de me lever. Je me suis couchée à 13h quand Jojo est parti. J'ai mis un peu de mal à m'endormir, mais j'ai enfin réussi à dormir. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je suis en train d'accumuler un retard de sommeil de dingue. Et ce n'est pas que je veux pas, en fait. Parce que à 9h, j'étais couchée dans mon lit. Non, même pas hier, en plus, je me suis couchée à 7h dans mon lit. Mais 2h du matin, j'en mets toujours pas. Donc 2h, 5h, ça pique. Sauf que ça fait plus... Même pendant mes vacances, déjà, j'accumulais du retard. Et là, je n'en peux plus. J'ai presque fini l'album de Manias. Il ne me reste plus que des tags à faire. Ici, un. Je pense en faire que un. Je suis à 53 plus 4, ça fait 57. Ouais, ça va faire presque 60 photos. Oui, je suis encore fatiguée. Donc voilà. Là, j'ai vu que j'avais reçu une petite somme sur PayPal. Je pense que ça doit être un album photo. Je vais voir la commande. Mais je crois que j'ai plus de batterie à l'ordinateur. C'est ça, nos batteries. On va regarder ici. Le temps que ça se rallume. Dernière commande. Pascal. Donc c'est la commande 2. Pascal. Ah non, c'est des boules de Noël. C'est plein de boules de Noël. Et des stickers de Noël. Il va falloir que je l'attaque. Les boules de Noël. Ça y est. Il y en a beaucoup. Donc voilà. J'ai des boules de Noël à attaquer. Bon. Ça y est, ça commence. Je pense justement faire une petite vidéo. Pas tout de suite, on est quand même fin septembre. Bientôt sur les petites choses qu'il y aura en boutique pour Noël. Au prix de la commande, je pensais vraiment que c'était un album photo. Donc voilà, il y a ça à faire. C'est parti. Bon, pas aujourd'hui. Je vais faire ça ce week-end, je pense. Donc voilà, des boules de Noël à faire. Ouh. Tout ça. Bon, allez, hop, c'est parti. Je termine l'album photo pour pouvoir le filmer, ainsi que filmer le coffret naissance. C'est l'album photo, enfin la vidéo, je voulais qu'elle soit là pour demain. Donc peut-être faire que je me bouge mon cul parce que j'ai rien foutu aujourd'hui. Je n'ai rien foutu, je n'ai même pas regardé ma to-do list pour vous dire. Batterie faible, oui, je sais. Oh non, elle a rentré des rubans, j'ai vu ça ce matin. Elle a dû rentrer hier. Je sais pas si elle a rentré des trucs. Elle a mis quoi aujourd'hui? Des bijoux d'album. Ouais, parce que j'étais déjà restée sur sa page. Plein de bijoux d'album. Ou porte-clés. C'est bien, c'est mignon. On quitte la boutique de Lyon. Et on va, pardon, sur ma to-do. J'ai juste actualisé. J'ai cherché de la menthe. Normalement, j'étais censée finir cet album-là hier et finir l'album de... L'autre. Aujourd'hui, il faut que je mette en boutique aussi. Allez, à la poste, ça c'est fait. Mais déjà, bon, je l'ai pas fait. La commande. Ce week-end, je m'occupe des commandes parce que c'est un truc de dingue. Lundi, je pars. Promis. Marie qui a jamais eu autant de mal avec ses commandes, c'est un truc de dingue. Ah oui, je voulais filmer les albums que j'avais en boutique. Tiens, les montages à faire. C'est un truc de dingue comment je suis retard dans les trucs. Je sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter demain.
Bref, du coup, c'est tout ce que je... Voilà, quoi. Bref, je termine. Je vous dis, il ne me reste plus que ça et je le termine. Et après, je le filme, je range tout. Je crois que My Force Year, pour le moment, c'est du stop. C'est du fini parce que j'ai un peu de mal maintenant avec. Je commence à avoir beaucoup de mal avec. Ouais. Mais j'aime bien celui-là quand même. Mais voilà. Bon, allez. Je reprends tout à l'heure. Hey, recoucou. Bon, il est 20h40. Ça va être l'heure d'aller se coucher. Ouais, j'ai procrastiné là devant la télé. Pas bien. Mais j'ai quand même avancé. J'ai fait ma vidéo présentation d'album photo. J'ai fait le montage. J'ai fait la miniature. J'ai déposé. J'ai mis en boutique en précommande l'hôte. Le Flower Fiesta. Je finirai demain. J'ai préparé quelques petites espaces photos. J'ai jeté les autres, ouais, je sais, et j'ai fait celle-ci, donc avec les dimensions en français, par rapport à mes chutes de papier. J'ai pas réutilisé des papiers, c'est juste mes chutes de papier que je pouvais réutiliser où je les fais. Un jojo, donc voilà, voilà. Donc moi, je clôture ce vlog de jeudi, de mercredi jeudi. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, ce sera le dernier avant le week-end. Voilà, allez. Bisous, bisous. Bisous. Thank you.